réaction prise de YouTube. Hop, c'est parti. Bonjour YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, ça va super. On passe un très bon dimanche et il est l'heure d'aller sur BG3, évidemment. Après une fin d'acte 2 absolument explosif et pleine de révélations. On rappelle, révélation numéro 1. Notre problème, c'est pas uniquement la larve, ok? Notre problème, c'est que finalement, l'absolu, en fait, c'est 3 pélos qui travaillent pour 3 dieux différents qui se sont mis d'accord pour prendre le contrôle d'un cerveau qui contrôle les larves qui sont dans les cerveaux de tout le monde. Révélation numéro 1. Accrochez-vous bien, c'est pas fini. Révélation numéro 2. Alors qu'on était tranquillement en train de se la couler douce à notre camp, de fêter notre victoire contre justement Kéthéric, l'un de ces 3 pélos là, hein, et qu'on l'a défoncé, on fêtait la victoire, on s'est fait attaquer par des Gitchanki, les cousins à les ailes là, et ils nous ont défoncé la gueule, on a dû s'échapper, on a dû venir en aide à notre gardien, Ariana bien sûr. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand, révélation numéro 2, Ariana est en fait un flagelleur mental. Blablabla, pour rappel. Blablabla. Voilà. Voilà. Donc Ariana nous a dit qu'il fallait qu'on œuvre ensemble et qu'on travaille ensemble. Et que du coup, on récupère les pierres des deux autres, du coup, qu'on a croisées, des deux autres pélos, là, qui contrôlent aussi le cerveau, pour les récupérer, pour nous-mêmes récupérer le... Voilà. Je rappelle qu'au début, notre problème, c'était juste enlever une larve de notre cerveau. Voilà. Sur ce, je pense que le résumé est parfait. On peut repartir jouer à BG3. Oh, attendez, j'ai oublié l'information la plus importante. Shadward, c'est ma femme. Ça y est, on peut se pécho et tout. Ça y est, elle nous a fait une déclat de la folie. Elle a... Voilà. 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 Parfait, ce résumé. Je pense que j'ai donné toutes les bonnes infos. Hein. Je pense que j'ai donné les infos. Et surtout, voilà. Hein. Elle sache, hein, bien sûr, hein, elle est là. Hein. Elle est là et on s'était arrêté juste après notre rencontre avec Ariana, du coup. Rencontre extrêmement décevante. Extrêmement. Et du coup, on avait dit qu'on allait aller se coucher. Je sais plus si j'ai parlé à tout... Je crois que j'ai pas... Ah putain. Les textures n'ont pas encore chargé, je crois. Ah, voilà. Il y a un petit délai de texture de temps en temps. C'est ok. Donc, bien évidemment... Où est les ailes? Pourquoi les ailes est pas là? Attendez. Bon, pourquoi les ailes est pas là? Je pensais que c'était Gale par terre. Non, mais... Non, non. C'est un Gitchanki. Du coup, ils nous ont attaqué, voilà, dans notre super camp, là, où on avait une super vue sur la porte de Baldur's. Parce qu'on approche enfin de notre but. Ah non, mais regardez, non, mais vraiment, le truc le plus... Oh, waouh, attendez, quoi? We've had a mind flare whispering to us in our dreams all this time. Les textures n'avaient pas chargé. Les textures n'avaient pas chargé. Ça va un peu vite. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Non mais j'ai été déconcentrée là, pardon. Je... Waouh. Attends, on peut la refaire s'il te plaît? Oh waouh. Mademoiselle, non mais les... Waouh. Donc on rappelle, chose la plus... Non mais restez... Je sais pas ce que... Voilà. I thought you'd never ask. Ah, let's go! Pardon. On a fini l'acte 2, mais surtout... Surtout! Surtout! Non, je suis plus focus. Moi non plus, là. Là, je... J'ai enlevé la veste. Bon, allez, non, mais concentrons-nous. Arrête... Ah, hein, arrêtons les conneries. Oh, mais quelle femme! Quelle femme! Quelle femme! Waouh. Bon, du coup, j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit sur Ariana, mais c'est pas grave. Je... Non, mais par contre... Ah oui, non, c'est juste elle s'est accroupie, c'est ok. Ok, bon, ils en pensent quoi, les autres de Ariana, là, s'il vous plaît? Non, mais ça commence bien. J'ai cru voir un cul. J'ai cru voir un petit cul. Il était là. C'est ok. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pécho Shadow. On va s'en sortir. Commence bien, ce live, en tout cas. C'est ça, hein. Ah oui, et c'est ça. Et alors donc, oui, Ariana, qui n'est pas Ariana, du coup, qui est en fait l'empereur, nous a donné une giga-larve, voilà. Une larve astrale qui apparemment nous ferait évoluer. Voilà, nous, un des compagnons infectés par la larve, pour qu'on soit plus puissant
Mais aussi qu'on ressemble un peu plus à un blablabla. Donc est-ce qu'on est chaud? Pas trop, hein. Alcine, il est où? Mais ils sont où tous? Ils sont partis faire la grève! Astarion. Mais enfin, il y a que les gens... Bon, je vais aller me coucher, hein. Ils sont tous partis faire la Java ailleurs, là. Merde, hein. Merde, c'est fou, ça! Bon, bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Je vais casser mon camion sur cette histoire. Cette histoire de cucu à l'air, là. C'est vraiment comme ça que commence le live sur BG3, j'adore. J'adore BG3, est toujours plein de surprises. Oh, waouh! On a bien dormi. Ah, les ailes! Putain, c'est vrai, les ailes, elle a... Tout le monde veut me parler. Ok, les ailes. Les ailes, on a croisé tes cousins. C'était vraiment des connards. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur... Ah oui, parce que du coup, elle était pas avec nous. Bah non, elle est jamais avec nous, les ailes. Orpheus, Gith's only son. He lives. The tainted blood of... Faites pas attention au peu de vêtements de les ailes, vous inquiétez pas. Ok, donc Orpheus, c'est un... Alors Orpheus, du coup, oui, parce que du coup, oui. Pour qu'on pète pas un plomb et qu'on se transforme pas, l'empereur utilise le pouvoir de Orpheus, qui est donc un Githyanki. Et il l'a enfermé, il utilise son pouvoir. Bref, voilà. Pas besoin d'entrer trop dans les détails. Par contre, mademoiselle, bonjour. J'ai pour level up Lucie Carnegie, Oura, So, with tous et Sam. Merci à vous pour votre présence, évidemment. C'est ok, hein. Waouh. C'est quoi avec une semi-évolution? Ouais, c'est une semi-évolution, mais Micheline, elle a dit non. Ok, un prince puissant, voilà, s'il est capable de résister à la conscience collective des élites. Voilà, il résiste. Il résiste. Ouh. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Wow. Listen close. The emperor spoke only in half truths. Mm-hmm. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Lacketh. Je suis obligée. Long ago, when we rose up against our Geth slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Ooh. Gith remained in the Hells. Vrai qu'ils chevauchent des dragons, ils sont stylés quand même. Hein. Envoy proclaimed Vlakith our ruler. Wow, elle a jamais été aussi bavarde, les ailes. Et elle m'a pas parlé de la crèche. It is Vlakith 157 whom my people now call queen. Vous voyez quand Natsuki raconte sa vie. Putain, mais Doki Doki partout maintenant, merde. ma reine actuelle est la 157e du nom, ça fait beaucoup, hein. 157e, ça fait beaucoup, hein. Voilà, hein. Parfait, hein. Queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Ooh. Orpheus was, is Gith's renegade spawn. Le rejeton renégat de Gith, un esclave qui voulait nous faire retomber sous le joug de nos maîtres. Ouh, bah, c'est pas sympa, le... Honor guard to join a coup against Vlakith One. He would have fed our empire to the Illithids had he succeeded. Mais c'est un giga traître alors. It was Kithrak Vos himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teaches. Connaissez-vous la crèche, bien sûr. Yet the traitor's with us. Si, les Micheline. Micheline, en plus, elle a l'armure de Kithrak maintenant, elle est incroyable. Should Orpheus go free, he would hand Vlakith's dominion to his Geich masters. Où il les a? Astral plane would be first to fall. C'est bon, elle est partie? Non, mais il est beau, ce jeu. Soon follow. Ok, et maintenant? We find a way to enter the prism and slay Orpheus. He is a Geth puppet cloaked in Githyanki skin, and the most powerful mind master known to my people. One word from his scheming lips and the people would doubt. Two words and they would rage. Three words and they would bow to the false prince. The Githyanki would be slaves once more, and one by one. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes, Faël. Comment c'est pas trop équipé d'elle? C'est vrai que là, du coup, voilà quoi. Bah c'est super, hein. Allez, salut les ailes. J'ai quelque chose de beaucoup plus important à voir. Shadowheart. Excuse me? Yes, you sit right there and let me drink in the sight of you. Ouais. Madame, bonjour. Vos cheveux, madame. Parlons de vos cheveux. Parlons-en. Be honest. What do you think of the new look?
Le micro, Yuno. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'en pense. Moi, je l'aime toujours. Hein. J'aime beaucoup. Ça change. Va falloir s'y faire. Hein. Waouh! Ne regarde pas comme ça. I have a lot to get used to right now. Ah! Est-ce que je peux t'embrasser avec cette nouvelle tête? Of course. I thought you'd never ask. Ah, waouh! Juste pour qu'on fasse le test, genre juste on fait le test, tu vois? Juste. Non mais elles sont trop belles. Oh, je craque. Arrête. Oh waouh, madame, vous me séduisez. Je vous vois bien, je vois dans votre petit jeu là que vous me séduisez. Je vois que vous faites ceci. Ah, pardon. OK. On va tous rester calme. Non mais elles sont si belles, elles ont une harmonie. Écoutez-moi bien. Et comment ça va? Sinon, tu te sens bien. Ah oui, c'est vrai, elle doit trouver ses parents, c'est vrai. I'm lucky to have you by my side. I don't think I could face what's to come otherwise. OK, je suis encore plus amoureuse qu'avant. C'est dramatique. Dramatique de type dramatique. Est-ce que je continue de me balader avec Jaira? On a une team full girl en vrai, elle me plaît bien notre team. Hein. Il est où Alcine? Je vais juste aller voir Alcine, savoir ce qu'il a à dire un peu sur. Kardak, elle a dit un truc sur l'empereur? Non, je crois pas. Hein. Alcine, t'as un truc à dire sur l'empereur? Je fais un AVC moi ce soir. Waouh! I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night. It was just to cut her. Elle a changé de coupe! Bah oui, ça lui va bien, j'avoue. It suits her. Ouais. Et moi? Tu penses quoi de moi, Alcine? Oui. Hein. J'ai un abandon et planqué avec Astarion. Ah bah ça fait longtemps, on l'a friendzone, Astarion. Mais pour son plus grand bien, lui-même, il a dit qu'il n'avait jamais eu d'amis. Du coup, bah on est sa première amie. Bon, peut-être on s'est envoyé en l'air un petit peu, mais deux sex friends à friends, y a pas grand-chose de ouf. Gale, ah oui, Gale, il a un nouvel objectif maintenant, il veut la couronne ou je sais pas quoi. Hein? Ah, mais attends, mais ils ont tous un truc à dire sur la coupe de cheveux de Shadowheart, mais non. Ok. Ouais, si tu... Non, mais Micheline, quelle femme! Non, mais regardez cette femme! Oh. Non, mais j'ai pas envie de te parler maintenant, Gale, par contre, vraiment. Astarion, un commentaire sur la nouvelle coupe de cheveux de Shadowheart? Je me réveille de quoi après que c'est sa première run. C'est ça qui est génial avec ce jeu, j'adore. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Bah, voyons Astarion, évidemment. Ah, Dame Aileen, quelque chose à dire peut-être. Be gone, friend. I have a darling to adore. Y'a pas de problème, pardon, non, je voulais vraiment pas vous déranger, mes excuses. Amusez-vous bien, mesdames, pardon, vraiment, bonne soirée, bonne journée, amusez-vous, voilà. On va lever le camp, que tout le monde lève le camp, on laisse Dame Aileen et Isobel tranquilles. Voilà, elles ont des choses à faire. J'avais pas reconnu Shadowheart, mais non, bien sûr que si. Regardez là. Oh, I have my love to adore. Ah oui, bah y a pas de problème, hein, je vous en prie. Adorez-la le matin, le journée, faites ce que vous voulez. Hein. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. J'avoue. On lui parlera de son pack plus tard. Flemme, Will. Flemme, on va partir là. On va se mettre en route. Je voulais juste parler à. Elle est où, Jaira? Elle est là-bas. Jaira, un commentaire sur la nouvelle coupe de My Love. Non, mais parce que c'est super important comme conversation. D'accord, ok. On a besoin de savoir. Jaira, ça vous va, je reste avec le notre girl power team là, j'adore. Walks a little freer of the shadows. She could shave her skull and paint it purple.
It would still suit her. Ouais, c'est sûr, elle est belle tout le temps, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah écoute, let's go, on y va, sortons du camp, il est l'heure, quittons le camp, c'est parti. L'acte 3, l'acte 3, wouhou, putain les gars. Là, avec les révélations de fin d'acte 2, on s'est rendu compte que le jeu commençait finalement. j'adore ce jeu, voilà. Voilà. j'adore notre team, elle est insane là. Une chambre à ranger puis des échecs, c'est ça qu'elle échec. C'est ça, ouais, c'est un truc dans le genre. Tout à fait. Bon. Oui, Ariana, oui, hein. Oh, regardez-moi cette team! Oh non, mais par contre, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire un point sur le fait que... Non, bouge pas, my love! Bouge pas! Attends, viens là. Excuse me! Ah! Quelques screens, quelques-uns. Voilà. Allez. Du coup. Oh, oui, c'est vrai qu'elle elle a tout le monde à... Ouais, bah oui, c'est vrai qu'elle a tout le monde à son cul maintenant. Ouais. Mais non. Allez, non, mais par contre, attendez, on l'a pas assez observé, surtout c'est... Regardez-moi cette femme. C'est parti! Direction la porte de Baldur's! The Baldur's Gate! Again! Enfin! OMG. OMG. Ouh, une popo. Vraiment qui traîne comme ça dans un sac de merde? Super. Oh waouh, deux popos! Super. Du poisson? Du poisson. Allez, on mangera ça au camp ce soir, c'est super. Demande comment elle s'est débarrassée de sa frange. Elle s'est fait une petite coupe de cheveux! Non, mais sa coupe lui va trop bien. Elle est si belle. Si belle. Excuse me. I can't find my mom. Oh mais Jaja, 500 bits! Mais Jaja! Merci beaucoup! Mais enfin! Les glissades, Jaja, doucement. Attention à toi quand même. J'ai pas le level up de Fael, Chilk, Marinaita. Tiens, je vais vous laisser répondre. Tiens, on va tester que ça fonctionne. Jinta, De Grimstone, Marc et Sean, merci pour votre présence. Excusez-moi, je cherche ma maman. Dis petite, où est ta maman? Est-elle allée? Je peux essayer de la retrouver. Ah, je suis rôdeuse. On va faire ça, je pense. Hein. Est-ce que ça fonctionne, le... l'extension, les Michel? Ou est-ce que ça fonctionne pas? Pam, pam. Pam, 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 pam. Ouh. Ah! C'est ton problème, gamine, elle est où, ce divan? Bon, bah, ça fonctionne, apparemment. Non! Mais enfin, la pauvre! Micheline Good! Mais enfin, mais que dites-vous? Mais comment ça? Comment ça? Bah oui! Mais enfin... Non mais oui, on va t'aider. Bon, ça marche. Ah, tout le monde approuve. That's what she said. Said it was for the spots. She had them all in her hands and face. She said she wouldn't be gone long. But that was a whole 10 days ago. The herbs, you know, for salving sores would take effect immediately. It seems unlikely this child's mother will return. Ah. Ah bah c'est super. Julien, retrouve ta mère, mais tiens, prends ceci, j'ai quelques rations en trop. Je crois que ta maman va pas revenir tout de suite, ce serait sans doute préférable de t'installer dans un endroit sûr. Je pense que ta mère est morte. Putain, mais non, le tact. Va pas revenir tout de suite, trouve un endroit sûr, non? Hein? Ouais, je pense que ta mère est probablement... Non mais le tact, c'est une enfant! J'ai quelques rations en trop, on lui donne à manger? Tiens, prends. Ouais, vas-y, on lui donne à manger. Tiens, prends un peu de bouffe. 10 jours, c'est long quand même, ouais. Oh, bichette. Elle est trop mime. Best cook ever. But I ate it all. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Thanks a lot. Genre, j'ai une anecdote, vraiment. Regardez la gamine.
J'ai une anecdote de ma première run. Ma première run, j'avais fait une paladine qui était grande, la peau très pâle, rousse, qui avait les yeux très bleus et qui avait un vitiligo. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai rencontré cette gamine qui m'a dit « Vous savez pas où est ma maman ? Elle a disparu depuis quelques jours. » Elle avait des taches sur la peau. J'ai eu peur. J'ai eu très peur, d'accord ? Quand c'est arrivé, j'ai paniqué. J'ai eu très très peur, vraiment. Genre la proba que mon perso ressemble à cette gamine. Et j'ai tout de suite fait un tour en mode « Oh merde, je suis maman !» Et le premier truc que j'ai fait, c'est demander à Benji, qui était déjà passé par là, à quoi ressemblait la gamine. Je lui ai dit, est-ce que la gamine, elle te ressemble ou pas? Il était là en mode, bah non, c'est une petite gamine, elle est rousse, mais elle est... J'étais là en mode, oh, c'est juste une question de choix. C'est vraiment juste un concours de circonstances, mais voilà. Écoutez, c'est arrivé, hein. Eh bien, il y a du monde partout ici. Il y a du monde partout. Bonjour. Ça va, vous? Bonjour. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Diluvia! Get these squatters out of my house now! Bah, ça pourrait, comme moi, je me rappelle pas trop. Genre, voilà. You paid me and my boys to be caravan guards. Non, mais c'était flippant. J'ai paniqué, je vous jure. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. Comment ça, but les expulser? Mais qui, quoi? Comment? L'armée de l'absolu sera là d'ici quelques jours et vous corrélez au sujet de l'occupation d'une maison. This is my home. Ah. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Ah ah, ouais, sur le Michel. Mm-hmm. This man's indignant demeanor barely masks a... Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. There's more to this situation. Michel, est-ce que tu ne nous dis pas, Michel? Olivia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Mais vous avez essayé de discuter avec eux, vous pourriez peut-être arriver à un accord. Il veut virer les gens qui vivent chez lui? Bon, après, je peux faire dégager vos squatters. Non, mais est-ce qu'on peut pas essayer de discuter? Ouais, peut-être avant d'essayer de tuer tout le monde d'abord. Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I got nothing to say. Ouais, to c'est them. Sûr. Je vais faire sortir de votre maison gratuitement. Non, rien n'est gratuit. Bon, j'aurais au moins essayé, j'ai plus important à faire. Mais non, mais laissez les rester ou c'est vous que je chasse. C'était vraiment le mec qui ne savait pas. Soyez gentils. Vas-y, j'ai envie de me bagarrer là. J'ai envie de chercher la bagarre. Cherche la bagarre. Vas-y, Micheline, dis-leur. Dis-leur. Ah. Je crois que c'est non. Je crois que c'est non. Are you threatening me? Et alors? Zenovia, why are you just standing ouais there? Ouais. Do what I'm paying you ouais for. Ouais. À peine arrivé, on se fight. C'est une marchandise de super qualité. Je suis très curieuse. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Oh, wow. This is the last time I hire someone from the guild. Okay. Fine. Here's the extra. Finish the job. Il a vraiment lui donné de la thune pour qu'elle me bute. Please show this meddler some of that famous Rivington hospitality. Oh, mais y a pas de problème. Ok. Bah, ok, bro, ok. Bon. J'ai pas mon ours. Mon ours ou le sanglier, tiens, on va mettre mon loup. On va mettre un loup. Et je vais tabasser. Non, pas ça. Voilà, let's go. Ouais, de la baston direct. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Aïe, les épines. Mais aïe. Oh waouh. Oh mon loup, il vole plus là. Oh ouf. Doucement.
Ok. Ah, Carlac, c'est parti la rage. Quelle femme. Défonce-la, Carlac. C'est le moment. Tu peux même faire ça, tiens. Allez, hop, fais ça. Voilà, le crit. Merveilleux, merveilleux. Défonce-la. Voilà. Mais putain, mais non, mais Carlac, elle est overkill. Hein. Il fait quoi, mon loup, maintenant, du coup? Morsure, morsure agressive. Une chance de faire tomber la victime à terre. Après, il peut aider, d'accord. Et sinon, il peut... Morsure infectieuse. Ah, waouh. Super. Bah, vas-y, morsure infectieuse, hein. Mais lui, il s'est pris. Ah, dommage. Ah, très dommage, très dommage. Jaira, qu'est-ce qu'on fait, Jaira? Jaira, est-ce qu'on peut transformer quelqu'un en mouton? Ce serait rigolo, genre lui, là-bas. Oh. On n'avait encore jamais transformé personne en mouton. J'adore. Non, j'adore, j'adore. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Super, et on se fait une lame de feu parce que pourquoi pas, voilà. Alors, merci beaucoup de gré, des bisous, merci pour la leur. Ok. Il m'a fait quoi lui? J'ai pas compris. Oula, il rigole pas. Ouf. Ok, ok. Il a un gros marteau, et alors? Ça fait pas tout. Soit je mets un gardien. Oh, on va se mettre nos petits gardiens. Hein. Marche bien ça. Hein. Voilà, hein, magnifique. Et on va peut-être mettre un petit soin à Jaira juste, niveau 2 peut-être. Voilà, merveilleux, merveilleux, ça se passe bien, ça se passe bien. Micheline, c'est de nouveau ton tour. Défonce-la. Ah. Non mais alors par défonce-la, je voulais dire genre vraiment Micheline, genre fais un effort. Défonce-la. Ouais bon, ok, il y a un peu de travail, il y a un peu de travail. Ouais non, on va utiliser ça plutôt. Arrête, madame! Il y a un casque lui aussi. Oui, regarde mon loup, il a un casque! Ah merde! Elle a tapé mon loup. Je vais la défoncer. Carlac, est-ce qu'on peut faire une fissure là? Bien sûr qu'on peut. Allez, défonce-les. Oh oui, Carlac, oui! Oui, Carlac, voilà! Merveilleux! Regardez là, Carlac à elle toute seule. Voilà, elle fait la game finalement. Vraiment, elle est là. Hein. Elle est là. Le loup, du coup. Il va aller niaquer celui-là. Ah, ok. Il a réussi son jet de sauvegarde sur la morsure, mais c'est pas grave. Jaira, Jaira, Jaira. Jaira, Jaira, Jaira. Est-ce qu'on peut se faire un petit... Qu'est-ce qu'on peut se faire? Est-ce que je peux le transformer en mouton, lui aussi? La meuf, il veut transformer tout le monde en mouton, tu sais. Vas-y, attire-le, lui. Ouais, bon, d'accord. Ça a pas vraiment très fortement marché, mais c'est pas grave. Il reste beaucoup à lui, il reste rien. Vas-y, finis-le. Merci, Jaira. Merci, hein. Juste magnifique. Magnifique, magnifique. On les défonce. Ok. Shadow Hearts. Shadow Hearts. Est-ce qu'on n'avancerait pas jusque-là? Pour pouvoir avancer jusque-là. Peut-être même... faire ceci... Et je pourrais cramer le mouton, mais tant que je le transforme. En vrai, tant que je l'emmène pas, le mouton, on est ok. Hein. Pourquoi déjà avant. Ah, cible est trop proche. Merde! Bon, bah tape-le alors. Tape-le avec ça. Voilà, nickel. Avec un peu de poison. Let's go! Merveilleux ça! Micheline, de ton côté, tiens, vas-y, va te mettre là. Et on va lui tirer dessus. Voilà! Voilà, on lui tire dessus une fois, on lui tire dessus deux fois. Voilà, j'allais dire on vient le poignarder mais non. J'aurais dû mettre marge de chasseur. Putain, je suis con. Carlac, tu le finis? Carlac, finis the job. Merveilleux. Il n'y a plus que le mouton à tuer là? Bah vas-y hein. Allez, voilà, merveilleux. Fuis tant que tu peux hein, parce que vraiment frérot, tu vas te faire démonter hein. Mais alors démonter hein. Lui là on va le démonter. Viens ici le loup. Comment ça? Allez, niaque-le. Nickel. C'est un barde, putain. No matter what you heard. Allez, vas-y Jaira. Oh merde mon loup.
Oh non, il a pris un peu. Il a pris un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Shadward, tiens, mets un soin à... Non, j'allais dire mets un soin à Jaira, mais après, attends. Mets d'abord une boule de feu, là, ou ça, là. Attends, il a 10 PV, je vais... Le... Non, pas le feu. Pas le feu. Le feu, ça marche jamais avec elle. Le feu, ça marche jamais. Non, bah non. Bon, bah si, le feu va marcher, le feu va marcher. Le feu a marché. Le feu a marché, les gars. Il a marché. Voilà, tout le monde va bien. Merveilleux. Hop, on ramasse l'apéro. C'est formidable, c'est formidable. À peine arrivé, vraiment, on se fait déjà des ennemis. Alors, du coup, Michel, tu faisais le malin, là. Tu fais moi le malin, lui. Il a 6 PV, je le défonce, non? Alright. You won. You won. What more do you want from me? Te défonce! Je veux que cette famille puisse rester. Vous devez au moins avoir de la place pour ces gens. Allez. On est good, on est good. Non, on est good, on est good, on est good. Micheline a une action good, là. Putain de merde! Bah si, il veut pas, je le défonce. This is my house! Not a home for briefs and strays! Ah. Mais attends, du coup, il a refusé, genre? You again. Did you need something? Je n'ai plus qu'à vous forcer la main. Laisse-les rester! No, wait! Hein? Oh bah vas-y, on le défonce, hein. Écoute, il a fait... C'est chez lui, quand même. C'est vrai que c'est peut-être un peu excessif, hein. Non, mais je vais pas le tuer! Juste, on l'assomme, vénère, voyez? On y va, regardez, hop! Voilà! Bah, c'est super. Il a dit qu'il a... On a déduit qu'il était chelou... Et qu'il avait peur. Micheline, elle est un peu énervée, d'accord? Elle aime pas qu'on traite mal les gens. Bonjour, vous avez une récompense pour moi? Non, good, on a dit good. Bah ouais, les pauvres, ils voulaient juste discuter. Les autres, ils voulaient pas discuter, ils voulaient les faire tuer, hein. C'est un connard, hein. De rien. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. Hmm. Ok. Bah c'est super, hein. Je... Bon, bah, continuons, baladons-nous, écoutez, hein. Ça va, Micheline? Oh, putain, c'est... On commence à rentrer dans des villes, là, les Michel. On était vraiment dans la Pampa, hein. On était dans la Giga Pampa. Any of the refugees give you hassle, come to us. Oh ouais, c'est méchant. Mais laissez les drones tranquilles. C'est fou, ça, d'être... Oh, oh. Ça tremble? Is this the merde? Bonjour. Porte à double battant, ok. Ah. C'est pas une boutique, je croyais que c'était une boutique, il y a un forgeron. Bonjour! Vous vendez du matériel, s'il vous plaît. Bonjour, allô? Bonjour! Bonjour. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. Oui, je viens d'arriver. Oui, donnez-moi du loot. Oui, ça me plaît bien ça. Continue comme ça, Michel. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Ouais, vas-y, envoie. Comment saurez-vous que qu'elle est parfaite pour moi, comme vous dites? Du moment qu'elle s'accompagne d'une remise généreuse. Très bien, montrez-moi ce que vous avez en stock. Non merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Bah, montrez-moi ce que vous avez en stock. But patience is a virtue. Hein? I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me. How do you like to kill? C'est étrange comme question, monsieur le forgeron. Comment aimez-vous tuer vos adversaires? Bon, allez-y, les Michel. Lentement et douloureusement, j'aime lire la peur dans leur regard. J'essaie de faire en sorte d'être rapide et efficace. Je veux pas faire souffrir les gens inutilement. Tout dépend de qui je dois tuer, si cette personne m'a ou non énervé. J'adore les faire saigner, trancher leurs artères et déchirer leur chair et les entendre hurler.
Je tue vite et avec précision, mes pros ne me voient même pas arriver. Ça, j'aime bien. Je ne vois pas que ça a à voir avec le fait que je vous achète ou non une arme. Moi, j'aurais dit, ouais, tout dépend de qui je dois tuer. Cette personne m'a énervé, ça ressemble bien à Micheline. Je suis assez d'accord avec vous. Allez. Oh, good answer. Killing is so much more satisfying when you really mean it. And when you kill someone, what do you feel? Elles sont vraiment bizarres ces questions. Alors, puissante, intouchable, inarrêtable. Je ressens une grande tristesse, ça ne me procure aucune joie. Soulagée dans les situations où on a le choix entre tuer ou être tué, ma priorité est toujours de survivre. Ce sont mes compétences qui me gardent en vie, je n'ai pas honte de les utiliser. Pourquoi voulez-vous le savoir? Ouais, c'est vrai, il n'y a pas à ressentir quelque chose ou quoi, genre juste... on tue parce qu'il faut tuer, point, voilà. Oh Micheline, quel belle gosse. Ouais, hein. Killing holds no fear for you, does it? Bah, on n'a pas trop le choix des fois. Il faut pas avoir peur dans ce monde-là. Question, if you'll humor me. Non mais frère, ça va, 18 questions là. Turn your weapon on those closest to you. Hein? Quelle différence? Attends, pensez-vous que vous pourriez vous servir de votre arme contre ceux qui sont les plus proches de vous? Quelle différence, peut-être, s'il n'y a pas d'autre option. Jamais je ne tuerai quelqu'un à qui je tiens, sans la moindre hésitation. Mais jamais, frère, tu es qui, toi? Non? Sans la moindre hésitation? Non mais jamais! Jamais? Jamais! Jamais! Pas les gens à qui j'aime! Non mais il est fou, lui. Hein? Oh... So, you're the lick spittle who crushed the bone lord's throne. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses. Stick a knife in the cracks and prize you apart. Unless you get him first. Madame, tu fais peur. When you find the lordling, tell him Orin is watching. So Orin is a shapeshifter. Ah putain, elle peut se transformer en ce qu'elle veut. On l'avait vu dans la cinématique, il me semble. C'est génial. C'est génial. Ah! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. C'est pas quoi, j'ai déjà fait très peu dans cette scène. Alors, elle est incroyable cette scène. Moi j'étais, la première fois que je l'ai fait, j'étais là en mode, putain, j'étais en mode, ouais, une arme pour moi, let's go et tout. Après j'étais là en mode, bizarre les questions quand même, mais ok. Et après j'étais là en mode, oh la pute. Le problème c'est qu'elle peut être n'importe qui quoi. Et ça c'est pas cool. Vous êtes fait attaquer par un doppelganger qui avait pris mon apparence. Ils essayaient de m'attaquer quand j'ai le dos tourné. Non mais j'ai pas... J'ai... C'est pas moi qui faisais attaquer, j'étais même pas là. Mais j'étais pas là. Mais Michel. Non mais viens, on fait du commerce. Vous avez dû vous faire attaquer par ma soeur jumelle, elle est très caractérielle. Essayez, vous devrez sourire sans dents jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez reçu un coup sur la tête, vous êtes bien sûr que votre mémoire ne vous joue pas des tours. Médecine, hallucination, colère irrationnelle, vous montrez tous les symptômes d'une blessure sérieuse à la tête. Vous êtes sûr que votre mémoire ne vous joue pas des tours. Les deux sont bien en vrai. Les deux sont bien, qu'est-ce que Micheline dirait le plus? On va essayer, ouais, ou alors vous êtes plus persuasion. Vous êtes sûr? Michel. Oh waouh. Oh oui! Let's go! Le succès critique, oh, il est sûr, hein, il est sûr de rien du tout, Michel. Il est sûr de rien du tout, il a pris un tellement grand coup sur la tête, il sait même plus, il voit trouble. Il voit flou, voilà! C'est un succès critique! God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. Ça va aller, Michel. Merci de citer ça pour ton follow, bienvenue à toi.
Depuis quand Micheline est persuasive? Ok, je... Non, allez, laisse-lui au moins un ou deux dés de persuasion. Il veut pas me vendre des trucs, lui, par contre, frère? T'es forgeron, bro? Bah, je veux de la marchandise. Je vous achèterai bien quelque chose. Ok, d'accord. Ok. Ah. Bonjour. Oh, OMG. OMG, I found it. Woohoo! Bonjour. Welcome to the Rivington General. Browse carefully. The weapons are sharp. Let's go, marchand. Oui. Or want a blade, or a bow, or a dagger. Oula. Or maybe bonjour. A spear is more your thing. You look like you know how to use a spear. By spear. Calmez-vous un peu, vous me donnez mal au crâne. Non, non, c'est vous qui vendez les armes de chargement, ça me paraît assez évident. Non, oh, trop chou. Je serai vous, j'irai voir le patron, il a pas l'air en forme. Non, mais votre patron a un caractère de cochon, pas vrai? Non, mais juste viens, juste on fait du commerce, juste Micheline. Non, Micheline, tais-toi donc, les commentaires c'est non, Micheline. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'elle vend de beau? Oh, waouh. Ok. Qu'est-ce qu'on va acheter de beau? Il nous faudrait une armure pour Jaira, non? Bon, on lui a mis ça. Elle met de l'intermédiaire. Parce qu'on n'a pas du beau intermédiaire. Un intermédiaire à combien? À 16? Ah, c'est que du 16 en intermédiaire. Hein. J'aime trop jouer avec Jaira, en vrai. C'est la première fois que je joue un peu avec des druides. Et c'est très sympa, le gameplay de druide. J'aime beaucoup. Jaja! Jaja! Mille bits! Mais Jaja? Oui, you know. Mais Jaja? Mille bits, Jaja! Merci beaucoup! Merci infiniment pour le soutien, merci énormément! Comment on va? Mais ça va et toi? Mais Jaja! Il faut faire attention aux glissades! Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup pour le soutien. Et Reflo, comment tu vas? Merci. Je n'ai pas les mots. C'est vrai qu'on a Us. On pourrait invoquer Us et se balader avec. C'est vrai qu'on a Us. J'ai même pas invoqué mon... Si, j'ai mon loup. Il va bien, mon loup? J'ai même pas vu. J'ai pas les mots. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci infiniment, merci beaucoup pour le soutien. Merci. Ça va, fin de journée de tournage pour moi. Ça s'est bien placé. On va virer le marteau de Kéterik. On va le vendre. Ça, on peut vendre. Défaisons nos poches. On peut vendre. Les petites gemmes comme ça, on peut vendre. Ensuite, qui a quoi dans ses poches? On a ça. Tenu ça, on peut le vendre. On peut vendre ce... Non, merde. Rends-le-moi. Pourquoi est-ce qu'elle a plus son deuxième cimetière, elle? Qu'est-ce qu'elle me fait, Jaira, là? Reprends tes deux armes! Et merci beaucoup, Léa! Pour le sub, le resub, le deuxième mois, let's go! Merci infiniment, Léa, comment tu vas? Quoi de beau? Merci beaucoup, c'est très gentil, merci! Merci infiniment! Merci beaucoup, les Michel, pour votre soutien, vous êtes les best, merci beaucoup. Hâte de faire le montage. Ah, let's go, Flo, let's go! Incroyable. Journée tournage. Journée montage. Incroyable. Bon programme pour un dimanche. En vrai. Merci beaucoup à vous pour le soutien. Merci. Jaira, reviens ici. J'ai pas fini de vendre tout truc. Là. Ça, c'est une armure lourde, mais elle ne porte pas d'armure lourde, donc on peut la... Ah putain, elle a plus d'or. Attends, qu'est-ce que je pourrais t'acheter, du coup? Qu'est-ce que tu vends, surtout là-dedans, hein? Alors, son bouclier, il fait quoi par rapport à celui de... mais attends, mais alors, nous, on a celui de Kéterik. Il est bien, en vrai. Bénéficiez d'un bonus d'un DD au jet de sauvegarde contre vos sorts ainsi qu'à leur jet d'attaque. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Un adversaire vous touche, vous faites tomber à moins qu'il réussisse un jet de sauvegarde. Ok. Le bouclier le protège à l'aide du conduit de force. C'est quoi ça? Les dégâts contondants, perforants ou tranchants tout en entêté sont réduits de 1 par tour restant. Ok. Ouais. Le montage c'est pour mai, j'ai une minute à faire, ça va. Ok. Incroyable.
Ça devrait le faire, en effet. Ça va nickel, Léa. Merci encore pour ton soutien et pour le resub. Merci beaucoup. J'espère que tu passes un bon dimanche. Ok, je réfléchis. Ouais, ici, il y a ça. Hein. Tenu en point de dos. Détermination effective. Vous gagnez 15 points de vie temporaire à chaque fois que la rage vous envahit. Réduit les dégâts subis de 2 quand le porteur est touché par une attaque au corps à corps. Ça, c'est trop bien pour, évidemment, du coup, Carlac, potentiellement. En plus, on pourrait donner, du coup, ça à Jaira. Mais le problème, c'est que si j'achète ça, Carlac, elle a plus de CA, quoi. Parce que ça, ça me faisait une CA à... Enfin, Carlac, si je lui enlève son armure... Ah, oula, oula, bonjour Carla, Carlac, si je lui... Attends, restez comme ça, mademoiselle. Oh, waouh. Musclé, hein, musclé. Si je lui enlève son armure à Carlac. Si je lui enlève... Non, non, c'est faux. Si je lui enlève son armure... Pourquoi on a 17? Oh, mais ça va, en fait. Pourquoi j'ai autant de classes d'armure? J'ai 4000 ou pas? Oh, ça coûte 4000, ça coûte tout mon argent. Hein. Mais 15 points de vie dès qu'elle se met en rage. Elle gagnerait 15 points de vie. Oh, vas-y, vas-y, on les prend, on les prend. Rhabille-toi, Carlac. Fais voir. Waouh, quelle femme. Ça va, en vrai, j'ai perdu qu'un point de CA. Je pensais que j'allais perdre beaucoup plus. Et du coup, Jaira, on te donne l'armure en adamantium. Waouh, mais quelle femme. Wow. De ma dernière écoute de tournage, puis après une semaine de vacances, je sors littéralement de vacances. Et du coup, ce sera une semaine de vacances. Mais let's go, Flo, let's go. Un truc qui fait que sans armure, elle a de la CA. Ouais, si, c'est possible en vrai. Ouais, ouais, c'est possible. Je me rappelle plus des stats exactement. Mais c'est trop bien en vrai. Elle a 17 de CA. C'est énorme. C'est trop bien. Je sais pas pourquoi. Attends. Ah voilà, j'ai les bras qui font que si j'ai pas... Vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 tant que vous ne portez pas d'armure et que j'ai pas de bouclier. Donc les bracelets me donnent plus 2. C'est-à-dire que si je les enlève, normalement j'ai une CA à 15, mais j'ai les bracelets, du coup j'ai plus 2. J'ai claqué des teints. Et j'ai une cape qui me donne plus 1. Voilà, donc déjà, juste en équipement, j'ai 3 points en plus. Normalement j'ai une CA à 14 là. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah let's go, hein. Let's go. Du coup, Jaira, toi, t'as récupéré celle-là, donc on peut vendre celle-là. Shadow Horse, on va lui laisser celle-là. Hein. On va lui laisser celle-là, elle est bien. Micheline, elle a encore des petits trucs à vendre. On peut vendre ça, on peut vendre ça. J'ai des dégâts de poisson, la cible doit réussir un jet de sauvegarde. Ça, je pourrais peut-être les donner à Shadow Horse, parce que du coup, maintenant, elle fait... Ah, elle fait du poison, maintenant, Shadow Horse. Oh, attends, non, parce qu'elle a une CA à 20, elle. Putain, mais what the fuck, mais je suis overcheat. Et merci Johan pour les bits, c'est bonsoir! Bien le bonsoir, comment ça va? Quoi de beau? Bonsoir, bonsoir. Si j'ai inspiration de Bard, ce serait mieux, mais j'ai pas. Après 19, ça peut être suffisant. Hein. Et là, ça me fait quoi la cible de réussir un jet de sauvegarde? Sous peine de se retrouver empoisonné. C'est pas mal parce qu'avec ma lance, je mets du poison, je crois. Je sais plus si c'est avec ma lance ou si c'est avec un passif, mais bref. Il y a un truc qui fait que ça se passe plutôt bien. Mais en termes d'équipement, on est pas mal, hein. Tu peux mettre ces casques, toi? Tu peux... Elle met quoi? Elle met de l'intermédiaire. Ça, c'est lourd. Ça, c'est intermédiaire. Tant que vous êtes dans une zone où la visibilité est réduite, ouais, mais ça, pas trop, hein. Et elle a quoi? Elle met de l'intermédiaire. Le résultat que vous devez obtenir pour obtenir une attaque critique, c'est très... Ouais, bof. Bof, bof, bof. Bon, écoutez, on va garder ce qu'on a là. Pour l'instant, ça me paraît bien. Regarde-moi ça, merveilleux. Et ça, je la sais à monter à 20 grâce au bouclier. Ah ouais, c'est le bouclier qui m'a mis tant de CA. Ouais, j'ai une CA de ouf, en vrai. À la base, elle a 16. C'est pareil. Là, c'est plus 1. Avec ça, du coup, on passe à 17. Et je crois que c'est la... C'est pas la cape, alors, c'est le casque. Et le bouclier, il donne plus 2. Alors, c'est le bijou. Moi, je sais plus. Il y a un truc qui me donne plus 1 ailleurs, mais wow, on a une CA à 20, quoi.
C'est un vin. Vita, elle est trop belle. Regardez-la, qu'elle est si belle. Elle est. Un... Elle est. Je craque, hein. Je craque, hein. Alors attendez, parce que là, du coup. Merveilleux. Il y en a du monde ici. Putain, et on est loin de nos plaines perdues, hein. Il y avait donc l'histoire du cirque, on avait les panneaux. C'est là, hein. C'est là, hein. Affiche de cirque, bien sûr. Venez voir notre Dryade et notre Djinn, sans oublier Baveur le clown. Ouh. Let's go. Bonjour. C'est quoi ce truc? Sticks of cheese. Between his piggy toes. Wow, me crie pas dessus. Il fout, lui. What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steelwatch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. Ça va aller, ça, le petit courage avec les bugs. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Oula, excusez-moi, on sort du mur, là. Tout va bien. Je n'ai pas censé arriver par là, je crois. The finest extra planar circus there is. Oui. A circus! Can we go? Ok, Carlac, ok. Un cirque extraplanétaire, jamais entendu parler. Pourquoi une goule renifle-t-elle des gens à l'entrée? Je vois bien Micheline dire ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une goule qui vous renifle les gens, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Il s'appelle Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Oh, putain. Can't be too careful. Un cirque extraplanétaire, jamais entendu parler, hein. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent red caps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Ok, bah d'accord. Not a problem, dear patron. Let's go, on va au cirque. Elle est trop mime, ce gars là, quand même. Benji. Oh, Micheline, elle smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Alors, il vient de dire que je pue la pisse et le fer. Bah, c'est super. Génial. Micheline pue la pisse et le fer. Merveilleux. Je me permets de me redemander. C'est quoi déjà ça? Ça, la créature appelée Benji, là? C'est une goule. C'est de la nécromancie, c'est quelque chose qui a été ramené à la vie d'entre les morts, quoi. C'est une créature pas vraiment vivante, on va dire. Je vous jure que je suis pas une menace pour vous, qui que ce soit d'autre dans ce cirque. Tromperie, le seigneur Gortash est un bon ami à moi, je me demande ce qu'il dira quand... Voilà, Gortash, c'est l'un des connards. Laissez-moi entrer ou je vous tords le cou. Très bien, non mais Micheline, peut-être calme-toi. On peut dire, on peut persuader, Micheline elle a l'air d'être persuasive aujourd'hui. Micheline, elle est en veine dans la persuasion, je pense qu'elle peut tenter. Sinon, juste on se casse, mais quand même, Carlac, elle voulait aller au cirque. Ah, vous avez parlé de CA avec le bouclier, les armures, c'est quoi l'acronyme? Ah oui, non, pardon, j'ai retard. Non, t'inquiète. La CA, en fait, c'est globalement ta protection, c'est-à-dire que c'est le chiffre que devront atteindre les ennemis pour te toucher. C'est-à-dire que si j'ai une CA à 15, je lance un D20, j'ai fait 16, donc mon attaque passe, donc je vais pouvoir faire mes lancers de dés de dégâts. Et si par contre j'ai une CA à 20... et que je fais 10, je ne touche pas, donc l'attaque est ratée. C'est ça que tu vois, en fait, à ce niveau-là. Pas de soucis, Selfie, t'inquiète, pas de soucis. Moi, je m'y connais un peu mieux maintenant dans l'univers avec BG3, mais aussi parce que je fais du JDR maintenant avec les copains. On fait une campagne, on a fait une session samedi, c'était trop cool, j'adore, bref, voilà. Pardon. ok, vous hésitez entre ça. Non, mais je vous tords le cou, c'est un peu violent. Micheline, elle est pas comme ça, quand même, Michel. Ok, vas-y, persuade, Micheline.
Micheline! Micheline, aujourd'hui, Micheline, elle persuade le monde. Wow, c'est le deuxième succès critique sur un jet de persuasion. Mais aujourd'hui, Micheline, elle est persuasive. Aujourd'hui, elle va tout faire, Micheline. Elle va réussir à tout, j'y crois. Elle va réussir à tout. Waouh. Juste. Waouh. The circus of the last days has returned. C'est son live, on est là. Sans le retour de Karma. Mais non. Mais non, mais non. Pas du tout. Bonjour. Ouh. Alors, Carla, contente d'être au cirque? Fucking shapeshifter. Ah! Ok, non, elle parle d'Aurine. Ok, ok. Le Nadjvan, oui! Le Nadjvan, let's go! C'est pas faux. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, elle a de bons arguments, Carla, qu'elle est là. Hein. Jaira, un commentaire sur Aurine? Ah, c'est ça, c'est l'élu de Baal. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Elle est trop classe aussi, Jaira. Je suis trop contente de jouer avec elle, en vrai. Je joue jamais avec elle. En même temps, mes autres runs, j'avais pas vraiment. Vous vous rappelez de ce que vous savez sur les doppelgangers? Vas-y, on essaye de se rappeler. Vas-y, Micheline, rappelle-toi. Oh, mais Micheline! Mais Micheline, aujourd'hui, mais waouh! Garde la route, Micheline. Garde la route, ça se passe super bien. Là. Oh, wow. J'aime ces arguments. Ah, Carla, oui, bien sûr. Bah oui, hein, bien sûr. Hein. Oh là là, les dés sont avec nous. Let's go. Elle cherche à nous rendre paranoïaque pour nous pousser à l'erreur. Vous semblez avoir une certaine expérience avec les doppelgangers. Elle ne m'aura pas une seconde fois. Si, probablement. Pourquoi ne nous a-t-elle pas attaqué? Ça, par contre, c'est une bonne question, en vrai. Elle est comme un chat qui joue avec sa nourriture, quoi. On va la défoncer, cette Aurine. On va la défoncer, je vous le dis, moi. Oh, Micheline on fire, là, today. On fire. Tell the lordling that Aurine is watching. Seems that Gortash and Aurine have had a little falling out. Ouais, bien we sûr. Oui, bah on l'a vu dans une petite cinématique, ça avait l'air un peu, voilà. Hein. Donc nous sommes compagnes de voyage, je réalise que je sais très peu de choses à votre sujet. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Ok. C'est vrai que vous avez déjà affronté les trois dieux morts. It was Baal alone we faced in juste Baal, ok. And donc elle a l'expérience avec Baal. He had no elder brain for a lapdog then. Ah. Help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. Elle est tellement badass et stylée, cette femme. Elle est incroyable. Je sais pas, elle dégage un truc, j'adore. Je suis trop contente de connaître un peu son perso. Parce que toutes mes autres aides, je la connais pas vraiment, sauf celle où j'ai récupéré un peu tous les persos. Mais du coup, on est un groupe de 9, donc je fais pas particulièrement attention à elle plus que les autres. Du coup, là, c'est chouette, parce que en vrai, je suis trop contente. J'adore sa voix, son accent, tout, j'aime trop. Elle est trop stylée. Hein. Et je remplis mon rôle d'ancienne sage et d'Ekati. Sage et d'Ekati. Allons, il n'y a qu'un seul de ces adjectifs qui vous qualifie. Vous n'êtes pas si âgé que ça, n'est-ce pas? Non, on pose pas la question sur les âges. Hein. Vous semblez réticente à évoquer. Non, vas-y, j'ai envie de la taquiner. J'ai envie de... Don't tell me which. Elle approuve. J'avoue, je l'aime bien. Je suis trop contente. On se balade avec. Ok, bah, let's go. Vamos. Zara la momie. Zara, c'est voulu, je pense. Hein. Ah, perspicacité, vas-y Micheline, t'es perspicace aujourd'hui. T'es perspicace, t'es persuasif, t'es tout Micheline. Vas-y. Ok, t'es juste persuasif Micheline, mais c'est pas grave, c'est déjà bien, c'est déjà super. Ça passe! Mais bien sûr, ça passe, elle est perspicace Micheline, waouh. You realize she is miming, putting on fire, on fire, let's go. Ah, je comprends qu'elle vend du maquillage. Oh, vas-y, on va lui acheter du maquillage. Oh là là.
Elle me vend quoi? Oh putain, elle a des coloris aussi. Ok. Est-ce que je peux lui vendre... Qu'est-ce que je pourrais lui vendre? Bon, déjà ça, on pourrait le virer. Parce que j'avais d'autres trucs à virer, mais du coup, il avait plus d'argent. Donc ça, on peut les virer. Non, mais t'as plus d'argent, frère. Nécessaire de maquillage. Cette palette de maquillage pour le visage permet de se transformer en clown comme par magie. Merveilleux. Je lui en prends une. Voilà. Merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Blanc écarlate, bleu pâle, noir et vert, orange, vert... rien d'inspirant. Moi, j'ai du rouge, là. Il n'y a pas moyen d'avoir du bordeaux, je sais pas, là. Merde! C'est fou, ça. C'est fou. Ça peut être sympa au cas où, le dissolvant. Voilà, c'était super. Est-ce que, finalement, Micheline ne deviendrait pas un clown? Parce qu'on est un peu dans l'ambiance du cirque. J'ai acheté du maquillage. Moi, je pense que c'est le moment de F5 et de faire un test pour la science. J'ai même pas parlé à Shadowhorse pour son avis. C'est vrai, ça, sur Aurine ? Shadowhorse, c'est un avis sur Aurine. Aurine's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed. Oui. We need to stay alert all the same. Oui. Mm-hmm. Vous avez dit que les fidèles de Char devaient guetter notre arrivée. Vous croyez qu'on peut se servir d'eux pour retrouver vos parents? Ah bah, mais complètement! I hope so. Oh, mais tu es si belle! Pardon! Je me concentre. Ok. Que devons-nous chercher? Quel genre d'accueil attendez-vous? Non mais... Apparemment, elle a dit à... Enfin, voilà, Char, elle a dit à tout le monde qu'elle était plus la bienvenue. Donc, à mon avis, l'accueil, il va pas être sympa, mais juste, qu'est-ce qu'on doit chercher? Worms Crossing is a choke point. Ok. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city would be refugees. I'd look wherever they're gathering. Ok. Bon, Micheline, est-ce qu'on l'essaye, ce maquillage? J'ai acheté du maquillage pour la science, pour me mettre dans l'ambiance du cirque. Micheline, tu es parfaite! Mais quelle femme! Mon inventaire, je sais, Faël, je sais. On a commencé à vendre des trucs, ça commence à aller un peu mieux. Attends, je vais faire par type, voilà. Oh, Micheline! Waouh! Est-ce que maintenant, Shadow, tu veux m'embrasser? Maintenant. Juste là. Ah! Merci beaucoup, Abgain, comment tu vas? Merci pour le raid! Comment ça va? Elle est d'accord. Elle est d'accord, ça la dérange pas. Oh, c'est trop mime, c'était un petit bisou. Trop mime. Pardon. Je craque. De type craqué. La roue des prodiges jugera-t-elle digne? Voyez par vous-même. Bonjour. Approach, ugly one. Attends, quoi? Bon, d'accord, avec le maquillage, je veux bien, mais merde! Répétez un peu pour voir! Hideous, vile. You are fortunate to have found me, freakish one. Et pas ceux qui ont peur des clowns. Non, mais c'est ok, c'est Micheline! Akabi's wheel of wonders. Spin! Le respect est mort, vraiment, vraiment. Super. Quel genre de prix on peut gagner? Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Merveilleux. Win the spoils of such conquest. Super. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Ok. Vas-y. Let us see if you have luck's favor. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating. Il triche. Alas, no jackpot for you. Évidemment qu'il triche. Ugly one, but. May have this. Vous trichez. You
dare speak to me as if we were equals, you are a scrap of food in my teeth. Oui. Carlac, elle est là, elle est bien là. Hein. Ok, pardon, pardon. You are nothing. J'ai pas développé Izuku Mumu Marie de pas présent. Feeling gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Oh. Ouais, bon après, il a pas l'air de rigoler quand même, Michel. Ok, ok. Alors, 12 secondes. Michel, tu triches donc. Par exemple, avec un anneau possédant main de mage. Par exemple. Oh putain, il a 1100 pièces de... Vas-y, Shadwart. Alors, let's go! Voilà! Bon, évidemment, ça, c'est parce que j'en suis pas à ma première fois sur le jeu, donc je la connais, ce truc-là. La première fois, on galère ses grands morts à savoir comment récupérer son truc, hein. Enfin, ça peut. Mais voilà, il triche, il a main de mage. Vous aussi, comme ça, en équipe, je vois pas de quoi vous parler. Bien fait pour vous, ça vous apprendra à jouer au plus fin. Non, je veux dire, je vois pas de quoi vous parler. Quoi vous parlez? Oh! Oh, oh bordel. Des raptors. Oui. Bon, par contre, on a un problème. On a un problème. Bon, il y en a un là-bas. Il y a un qui fait une ronde là. Il y en a un là-haut. Non mais c'est super hein. J'ai pas une potion d'invisibilité. Au pire je ferai ça si ça part en couille. Je vais essayer d'aller par là. Oh. Ok non, il y en a partout. Oh, oh. Alors. Bonjour. Oh. Ah. Mamma mia. Micheline reste cachée. Micheline. Oh. Ah bah oui, bah là on est peut-être un peu proche, ouais. Bon. Merde. Non mais chut. Ah. C'est donc ça le gros lot, je suis ravi. Micheline, tiens le coup. Ah, il a gros. Ok. Mets-lui ça, défonce-le. Oui, le crit, Micheline, c'est ça qu'on veut! Encore! Merveilleux. Accroupis-toi, bordel de merde. Oh, ok. Putain, je suis toujours en passif, j'ai juste assommé le con. Merde. Oh. Il va où, lui? Oh, il est giant. Il est... Oh, waouh. Ah, Micheline, la fougère! La cache est réussie. Elle est réussie. Micheline est invisible. Elle est invisible. Regardez-la. Waouh. Bonjour. Alors. Merci. C'est super. Oh, voilà. Merde, attendez, il restait une huile. Maintenant, on va monter. Ok. Ça se passe bien. Regardez, on s'est presque pas fait voir. Invisible, nous sommes. Oh, il revient vite. Oh. Ok, il y en a un qui dort là. On va juste ne pas le réveiller. Voilà, juste on progresse discrètement. C'est super, Micheline, tu es parfaite. Micheline,
Micheline, s'il te plaît, il va falloir sauter. Si... Non. Je veux dire, genre, là... tout à fait, c'est parti. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Nous sommes discrets. Ouh. Oh, une bombe. Après avoir tué une créature et d'une attaque à l'arme, vous pouvez lancer vos sorts d'illusion en enchantement dans le cadre d'action bonus. Oui, bien sûr. Merveilleux, merveilleux. Ne cherchez pas Edgin, j'ai compris la leçon de papa, mais c'est toujours d'arrêter le mauvais tour et je finirai par tomber sur quelqu'un qui ne se laisserait pas prendre et que j'aurais à payer bien plus que quelques verres pour me faire pardonner. Quand ces mineurs m'ont chassé de Naskel après m'avoir pris jusqu'à ma chemise, je pensais avoir touché le fond. J'avais tort, on touche le fond quand tout le monde vous menace et rit de vous et que toutes vos excuses et supplications n'y changent rien. J'aurais jamais dû prendre des bagnoles de ce djinn et surtout jamais dû le provoquer. J'ai enfin compris, papa, trop tard. Ah. Et bah rip, Michel. Hein. Vraiment désolé. La sortie, sinon. Ah. Merveilleux. Nous avons un objectif. Nous possédons un objectif. Merveilleux, merveilleux. Ok, lui, il était là. En vrai, si je descends là. Oh, non, mais là... ah ouais, non, mais j'ai pas un parchemin de plume. Ça m'aurait arrangé de pas être obligé de passer là où il est, lui. En fait, figurez-vous. Après, je peux refaire le tour. Oh! Oh, je peux aller super loin. Oh, ce serait génial que je puisse aller genre à ce niveau-là. Ah oh. Est-ce que je peux m'éloigner assez pour fuir le combat, genre? Ah. On dirait que non. Mais pour l'instant, je suis en combat qu'avec lui. Oh merde. Ok, donc lui, il a mis genre foncé. Moi, il faut que je descende, mais comment je descends? Oh, puis on a d'autres, c'est ça le problème. Hein. J'ai pas un parchemin de feuilles là? Ou une potion? Potion, nickel. Nickel, nickel, nickel. Micheline, saute. Comment ça, je peux pas sauter? Je peux pas sauter. Merveilleux. Ok, eh bah yes. Eh bah yes. Ok, Micheline, maintenant on saute. Ok, ok, direction le portail, direction le portail. J'ai la feuille morte. Hello Astérix, comment tu vas? Quoi de beau? Ok, c'est tout. Non mais ça va, regardez, il fonce mais il fonce pas en fait. Il a compris que c'était pas une bonne idée. Le portail! Ça va Michel? Ça a pas l'air d'aller, ça a pas l'air d'aller. Et il y a un coffre évidemment. Je vais le ramasser. Et on se casse. On se casse. On se casse. Bravo Micheline! Ouh! Ça se passe bien. Micheline. Ils sont où les autres? Allô? Ah, ils sont là-bas. Tout va bien. Tout va bien, tout va merveilleusement bien. Ouh! Ouh! Ok. I'm done. I can't wait to sleep. Ah ouais, faudrait qu'on aille dormir, ça peut être une bonne idée. Did you want something? Vous aviez pas vu que j'avais disparu? Ça dérange personne? Ok, monsieur. Yes, yes, me too, me too. But ceci! Après, on peut aller au camp pour... Non, mais ce visage, Micheline. C'est sorti des toilettes! Non, mais je... On va pas respecter. Super. Merveilleux. Non mais j'adore, j'adore. Me respectez pas, écoutez, y a pas de problème. Hein. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, jeter ceci? Est-ce qu'on peut le crocheter? Ah! Je devrais peut-être attendre Astarion pour ça, mais j'y crois. Ok, on va attendre Astarion. Non mais oui, oui, oui. Non mais Astarion, il s'y connaît mieux finalement que moi en lancer de dés. Hein. Donc garde ça dans les poches, Micheline. Tiens, donne-le à Carla, qu'elle a des muscles. Elle a des muscles. Hop, elle va porter le coffre et on va aller au camp. On va juste parler à lui, il a dit qu'il vendait des trucs là. Bidule magique, dis-moi tout. Oh, hungry little hobgoblin.
Want a treato? Un homme gobelin, qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il faudrait le défoncer. Ça reste un djinn, hein? C'est vrai qu'Astarion te manque? Ouais. J'avoue. Non, mais sinon il me manque un peu quand même, mais voilà. Montre-moi ce que t'as. Bon, juste, je n'ai pas envie de savoir d'où vient ta marchandise. Juste montre-moi ce que t'as. Just for you. Ok, ok. Merveilleux. Qu'est-ce que tu vends? Super, ouais, bah c'est un peu de la merde, bro. Potion de vol, à la limite d'invisibilité, c'est pas mal. Les résistances, c'est pas mal, mais je peux vendre mes derniers trucs, là? Ok. On va garder ça. Ok, j'avais encore celle-là à vendre. Et celle-là, du coup... Pas mal, pas mal! On se refait un peu de moula! Après, en termes de parchemin... Bon, ça, j'en ai pas besoin, parce que elle a le sort Jaira. Ça, les invocations, c'est pas mal, mais bon... On replie, on s'en branle un petit peu... ça, je... Les attaquants ne peuvent pas infliger de coups critiques aux porteurs. C'est lourd, ça? On devrait peut-être mettre ça, hein. Ouais, mais ça, c'est un plus D4 au joueur marqué de marque du chasseur. Ça me fait un D4 en plus de mon D6 de marque du chasseur. Genre, c'est trop bien. Mais ça, c'est lourd, c'est chiant. Bon. Ça, pour les lanceurs de sorts, hein, mais du coup, on va le virer. Hein. Oh non, il a pas assez d'or, merde! Mais c'est fou, ça. Ouais, 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 hein. Mais c'est nous, hein. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Darling, we have a customer. J'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Camp drab, dreary, then you have come to the right place. Browse our bespoke bonjour. Bony creations. Wow. Commission a statue in your likeness. Ooh. It is our most sought after service. Merveilleux. Aussi, Roshi, qui est qui au juste? Bony, at your service. That there is my darling wife, Stony. C'est... Vous êtes... magnificent. Oh. Wow. Il vient... magnifique, c'est le mot juste. Elle est magnifique. To think she chose me. Why I wake up every morning with a smile on my face. J'adore ce jeu, putain. Now, what can I do for you? Alors, du coup, explique-moi. Faites-moi voir ce que vous avez. Je voudrais une statue de moi pour décorer mon camp. Les Michel. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de faire une statue à Micheline? Je veux une statue de moi. Je la veux. Wow! Delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as 5000 pièces d'or. Il nous faut absolument cette statue, les chevilles de Micheline. Excellente idée. Non mais c'est notre nouvel objectif. Il nous faut 5000 pièces d'or, les gars. J'ai pas assez d'argent. Then feel free to browse our workshop, but be quiet. My wife. Oh, c'est si cher pour avoir une statue, mais. And I do not wish her to be disturbed. Oh, darling, don't forget that Dragonborn's order. It's due shortly. Oh wow. C'est ouais. Hein. Ouais ouais. Il avait 1000 dans les poches le djinn, hein. Est-ce qu'on irait pas au camp? On va chercher Astarion et on fait les poches du djinn. Ouais, on va faire les poches. Hein. On va se faire un instant voleur. Hein. Astarion! Bébou! Reviens donc avec nous. Non mais parce que là... Pourquoi il y a un enfant dans mon camp? Et ouvrir le coffre. Et ouvrir le coffre, c'est vrai ça! Il y a un enfant dans mon camp. Pas très neutral good, mais bonne idée. Bah c'est Astarion qui va le faire. Voilà.
Le djinn, il a été un connard avec nous, on peut le voler. Qu'est-ce que tu fais là? You remember me, right? Oui. You were really nice to me before, and my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Of course, girl. You can help me determine who it is doing all this snoring. Oh, comment ça, of course? Ça se réveille de la sieste, mon bébé? Il se réveille? C'est ça? Oh oui, tu te réveilles. Oh, les petits yeux! Oh oui. Le potiche! C'est affiné. Arrêtez. Jaira, elle est d'accord pour qu'elle reste? Qu'est-ce que vous en dites, le chat? Tu peux rester, Yana, installe-toi où tu veux. Désolé, mais ça va pas être possible. Les enfants sont pas autorisés dans mon campement. On revient dans 10 ans. Non, mais Bichette. Bichette, je vais pas la mettre à la rue. Regarde avec ce visage. Elle va faire des cauchemars. Ok, vas-y, vas-y. Yes. Je fais bien la cuisine, ouais, t'as intérêt. Hein. Elle va faire la cuisine, c'est ok, c'est ok. Bichette. Astarion, viens dans le groupe Astarion. Astarion, on a besoin de tes talents. Oui, bah merci, je sais. I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced or because this group is full of weirdos. J'adore. Calme-toi, Astarion! Perhaps if you lost a follower or two, I prefer to travel in smaller groups. Oui, oui, on sait. Intimate. Oui, on sait, on sait. Prends la place de Jaira. Allez. Excellent. Now that that's settled, lead on. Aïe, 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 Astarion. Comment on est là? Parce que... Ouais, non, si on sort, on est good. On n'a pas besoin de dormir. Full of weirdo, non mais au secours. Allez, hein. En gros, ça va pas patate, j'avoue. Pas sortir du contexte, j'avoue, Faël. Ah, ce qu'il me veut, Astarion. Baldur's Gate is right over the hills. And so is Cazador. Ah putain, c'est vrai qu'on va se rapprocher de ça aussi. Cazador and his right of profane ascension. An imperial soiree. Attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. Super! And elevate him to an unfathomable station. Génial. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Vaste rien. Il faut absolument l'arrêter, hein. Il faut l'arrêter, oui, 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 hein. But there's more to it. Think about it. It sounds like Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. He's on the verge of a miracle. Hmm. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Vous seriez prêt à tuer les autres malheureux liés au rituel pour lui voler ce pouvoir? Je sais pas trop, Raphaël a dit que la messe noire serait mortellement diabolique. Si nous y parvenons, nous ne sauvons, pour ainsi dire, rien pour ce rituel. Ouais, je... Astarion... 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 Doesn't it sound delightful? For the lucky little vampire, je... After 200 years of shit, pure shit. Wow! I think I deserve something better. Il est énervé. Ok. Alors, ce qui compte pour moi, c'est que vous alliez bien. La liberté n'est pas la même chose que le pouvoir. Un tueur comme vous ne mérite pas le respect. Vous emballez pas trop. On sait même pas si c'est possible. T'as bien raison. Hein. Hey, t'as bien raison, Astarion. Hein. Hey, tu dis bien des trucs qui sont vrais, toi. Hein. Je suis mort. Liberté n'est pas la même chose que le pouvoir, ouais. Hein. C'est... Ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. All I'm saying is, let's be clear. Il s'énerve parce que on approche de Cazador et il veut récupérer le pouvoir apparemment. Il veut le tuer et faire son rituel, mais il est fou. Ouais. On va faire ça. The other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. C'est super. Alors, je suis avec vous 100%. Vous emballez pas trop, on sait même pas si c'est possible. Obtenir des informations peut être utile. Très bien, cherchons les autres jetons. Je veux bien vous promettre de vous aider à stopper Cazador, mais c'est tout. On peut récupérer des infos, je pense qu'on swat, c'est... Ouais. Ok. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Ok. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Ok, bon. Hirosigma, ça va toujours. Alors on disait, Astarion, on a une mission très importante pour toi. Très importante, Astarion. Oh, quoi, 21? Ok, tu peux le faire, Astarion, tu peux le faire. Ouais! Oh, let's go! Let's fucking go! La 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 la. Oh, le boss, il a one try le vol. Il a one try. Bon, RP voleur. C'est pas bien, Astarion. Combien il nous faut, 5000? Mettez tous vos sous en même temps, là. Bon, on est un peu loin du compte. On est encore un peu loin du compte. Faudrait qu'on trouve des gens à qui vendre des trucs aussi, là. Tiens, il devrait ouvrir le coffre aussi de Karak, faut pas que j'oublie. Lui, je peux lui voler ou pas? C'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas bien. C'est pas très good, hein. Red-handed. Non, moi voler, moi non. Remel, bonsoir, c'est le cas. Oh, il a vraiment fait le 21 là. Où est-ce qu'on peut vendre des choses ou acheter des choses ou... Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon loup? Mais mon loup? Oh waouh! Il y a tellement de fric. Astarion! Écoute-moi bien, Astarion. Si tu réussis ce lancer de dés, tu restes dans l'équipe. Astarion, si tu réussis à voler ça, on se balade avec toi plutôt qu'avec Jaira pour le reste, ok? Astarion, c'est ton moment là. Tu gagnes ta place dans la team. Attention! Ah, dommage, hein. Dommage, Astarion, dommage, quel dommage, Astarion, tu étais à ça. Il y avait 3000 balles dans ses poches à elle, comment? Il faut que je vole tout le monde. Non, c'est pas bien, c'est mal, arrêtez-vous, c'est mal. Le sculpteur de statue, ouais, c'est vrai, il doit avoir des thunes aussi, lui. Oh, non, mais c'est pas bien, je vais lui voler de la thune pour lui... Après, je vais lui rendre, finalement. C'est pas bien du tout. Aïe. Bon. Réfléchissons. Ça se passe. Chez. Voilà. Ok, je regarde un peu s'ils n'ont pas des vrais trucs. Salut, ça va vous? Le coffre aussi. Ouais, c'est vrai, le coffre. Après, est-ce que... Waouh. Ça a l'air de regarder un peu partout. Lui, ça va être compliqué de le voler. Hein.
Le coffre. Ok, c'est parti. Astarion. Rochette-moi ça. Santé Maëlle, évidemment. Ok, c'est un vin. Ouais, d'accord, mais c'était ça. Allez, vas-y. Après, il maîtrise, hein. Même là, il le fait. Non, putain. Mais voilà, voilà, voilà. Allez, ça va, on a du petit voleur. C'est parti. Allez, Astarion, merci. Qu'est-ce que c'est? Let's go! Ah oui! Oui! Oui, 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 oui! Ceci est donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tiens, rajoute ça à la pile. Et regardez, on n'est pas loin de ma statue, hein! Il manque 1000 balles! Je peux peut-être les gagner honnêtement en vendant des choses. Ça? C'est pour Carlac! Wouhou! On a gagné notre deuxième arme légendaire, let's go! Bon, magnifique ce qui s'est passé, magnifique. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire un peu de commerce honnête? Mais lui, je crois qu'il avait plus de thunes, lui, c'est chiant. Ça le problème, hein. Il avait plus de thunes, lui. Et ouais, non, il a plus de thunes, il est chiant, je peux plus rien lui vendre. Où je trouve des gens à qui vendre des choses. Bonjour, est-ce que vous vendez des choses? Bonjour! Est-ce que vous vendez des choses? Oh, oh, c'est des squelettes. Lucille, it's Pose, Grapevine, then Pivot Step. Jacob, you have the grace of my great grandmother's missing leg. Merci beaucoup, Limoine, pour le raid. Merci. Comment tu vas? Put some sensuality into those lovely hip bones. Oui, ça. I know you have it in you. Step it up. Pardonnez-moi de vous interrompre. Oula, Mercure, ne me parlez pas de lui. Hein. Me parlez pas de lui. On l'a vu, on l'a fighté. Non, non, non. Ça va nickel. Ton stream s'est bien passé. Ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Oh, elle aime le vin, let's go. But these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Ah! C'est très mal de voler, n'est-ce pas? C'est très mal de voler, c'est mal. C'est très 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 mal. Y a la chose? Merde, Astarion! Oh bordel, oh bordel, réessaye, réessaye, réessaye. Vite avant d'être repéré, Astarion, vite! Oh, il réussit ses jets de cash, heureusement. La 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 la. Let's go! Allez, un peu de soin en plus là, un peu de soin en plus. On a une potion. Merveilleux, il a des trucs à vendre lui aussi, hein. Un avantage sur les jets d'attaque, c'est trop bien en vrai. Hein. Je vais lui mettre ça à quelqu'un. Chapeau pointu, vous gagnez un bonus à vos tests de persuasion. Super. Bon, c'est des trucs qui peuvent se vendre. Hein. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Salut Fen, ça va bien et toi? J'ai pour le pillage. Écoute Fen, on a un nouvel objectif. On a trouvé une boutique qui allait nous permettre de nous faire une statue de nous et de la mettre dans le camp. C'est devenu notre nouvel objectif de vie. Le truc, c'est qu'elle coûte 5000 balles. Mais j'y suis presque. Hein. Il faut que je me fasse de l'argent honnêtement maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je peux vendre? La momie, peut-être je peux lui vendre des trucs à la momie. Elle avait beaucoup d'argent ou pas? Oh, je crois que je lui ai piqué tout son fric, elle va plus rien m'acheter, non? Ça se tente, ça se tente. T'as des sous ou pas? Ah bah non, elle a plus de sous, je lui ai tout pris. Oh, je lui ai tout pris. Si je vais dormir, ils auront re de l'argent un peu pour moi.
Attends, je crois que je peux vendre. Attends, attends, j'essaie de me rappeler à qui je peux vendre dans le coin, putain. Un peu plus bas, peut-être, je peux vendre. Peut-être, il y a un marchand. Parce que là, il y a le forgeron, mais la forgeronne. Ah, mais attends, mais la forgeronne, elle a 3000, elle a 3000 pièces. Au pire, je lui vends. Elle est où? Elle est là. Et mon loup, alors? Il peut venir avec moi, mon loup, ou pas, là? Il est coincé, hein. Ouais, il est coincé, hein. Je crois qu'il est coincé, hein. Ah bah merci. Est-ce que... Ah non mais peut-être je peux lui vendre, bah oui. Oui, oui, oui. Bah non mais pourquoi il dit qu'elle a plus de thunes alors qu'elle avait 3000 balles dans les poches? Oh c'est pas gentil. Ah non c'est bon, j'étais en troc, tout va bien. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, voilà. On va y arriver, on va y arriver. Oh, je vais avoir une statue de moi, je suis si fière. Vends-moi ça, vends ça. Ça, on va le garder au cas où. Ouais, on va garder ça, on va garder. Ça, on peut vendre. On peut vendre, on peut vendre. On peut vendre plein de choses, en fait. Ça, j'en ai pas besoin. On va garder hâte, on va garder l'autre. Les bijoux, on fera le tri plus tard. Nécessité, j'utilise jamais. Les ça, j'utilise jamais. Oh, on a 5000. Oh là là. On va s'acheter une statue de nous. Notre nouvelle mission. Notre nouvelle mission. Ça, c'est j'utilise jamais. J'utilise jamais. Je n'utilise jamais. Jamais, jamais. Ah, vol, j'aurais pu garder. Bon, c'est pas grave. Jamais. Ça, ça sert toujours. Ça, ça peut servir. Ouais, pas mal. Oh, MG. Elle a de la barbe, Micheline. Non, elle s'est fait un beau maquillage, regarde. Pour se mettre dans le thème du cirque. Je... Voilà, hein. Oh, c'est le moment. Je veux une statue, donnez-la-moi. J'ai récupéré mon loup, au passage, c'est merveilleux. Oh là là, je veux ma statue. Je la veux. Je la veux. Let's go. Autant pour moi. Non, elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée pour être dans le thème et tout. Aïe, aïe, aïe. Entre les portes et les escaliers, les animaux manqués, ils ont des gros soucis. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des petits soucis. Ils se coincent des fois, quand même. Hein. Mais c'est bon. On est de nouveau là. Oh, je vais avoir une statue de moi, les Michel. Une statue de Micheline. J'espère qu'elle sera réussie. Bah, moi aussi. Hein. Moi aussi, hein. Évidemment. Évidemment. C'est parti. Mais bien sûr, je veux. Faites-moi une statue. Ouais, vas-y, vas-y. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Je voudrais une statue de moi armée, prête au combat. Pourquoi pas une statue de moi en robe de chambre? Je veux une statue de moi nue comme un verre. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vous connais. Non mais regardez-vous. Non mais imaginez-vous avoir un ego tel que tu décides de faire faire une statue de toi et qu'en plus de ça tu décides de faire faire une statue de toi à poil. La robe de chambre, c'est celle de Mintara, je vote oui. Hein. Oui mais j'avoue c'est vrai dit comme ça. Je veux une statue de moi nue comme un verre. Je veux. Nous voulons. Les Michel ont parlé. On va vraiment faire une statue de nous. Je veux une statue de moi nue comme un verre. Tremendous. Stony darling. Ah bah ça va vous payer des vacances là, hein. Ils vont se payer des vacances sur Mamboul quoi, c'est fou. Mais c'est vrai? Direct à mon camp? Salut Marie Cross, ça va et toi? Il est temps d'y aller, hein. Non mais il est temps d'y aller, on va aller au camp. On va aller à notre camp, c'est le moment. C'est le moment. Où est ma statue? Est-ce qu'il faut que je dorme une nuit? Je suis prête à dormir une nuit pour avoir ma statue. Hein. Oh
Attends. Non, c'est bon, c'est couvert, c'est bon. Il y a une feuille. Micheline a fait une statue de Micheline nue pour que tout le monde puisse profiter de sa beauté suffisante. La pose est incroyable, pardon. La pose confiante, vraiment en mode. J'ai fait, on a payé 5000 boules pour ça. Oui, mais regarde. Regarde maintenant. Nous pouvons admirer le cul en pierre de Micheline. Peut s'admirer, regarde. Admirons-nous. Waouh, Micheline, quelle beauté. Oh, quel détail. Quel... Waouh. Regarde ça. Et le pire. Vous voulez savoir le pire? No one back home will ever believe this. Oula, oui, bon, c'est bon. Oula, oula, oula. C'est... Bon, voilà. Je... Regardez-moi ces belles joues. Le fait de regarder sa propre représentation bénit le propriétaire de la statue une fois entre deux longs repos. Je suis bénie de m'être vue moi-même nue. En pierre. Ce jeu est absolument exceptionnel, d'accord. Il est fabuleux. Je sais pas si je crois pas que je peux la déplacer. Shadowhearts. Est-ce que t'as vu... T'as vu la nouvelle statue, nouvelle déco au camp, ça te plaît là? Parce que si tu veux, moi je te montre en vrai, tu vois. Pardon, pardon, non mais pardon, pardon. Oh, you know, les bêtises là, ça suffit. Ça suffit les bêtises. Oh, tu sais quoi, en vrai, dormons. Je veux voir un peu la... Ceci, hein. À toute fin, bon appétit. Qu'est-ce que... Lettre d'Arabella. Vous savez, moi, je sais que je vous dois beaucoup. Sans vous, j'aurais fait dans le ventre d'un serpent. Ensuite, vous m'autorisez à squatter votre camp. Et enfin, vous avez découvert ce qui est arrivé à mes parents. Je me débrouille toute seule maintenant. Et l'homme squelette dit que c'est une bonne chose. Je laisse juste la trame me guider. A priori, elle me tire vers la porte de Baldur's. Alors, c'est là que j'irai en premier. Bref, merci pour tout. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, Arabella. Elle est partie, du coup. Oh. Bah, rien dit qu'elle survivra. Mais sois positif, Micheline, un peu quand même. Bon appétit. Bon appétit. Oh là! Bonjour! Est-ce qu'on peut arrêter de faire des intrusions dans mon camp comme ça? Qui êtes-vous dans mes... par les enfers? Oh oh oh! Ah! Ok! And you are abominations twice over. You carry geek parasites and you harbor the heretic prince Orpheus. Uh-huh. Glorious Vlakith, I am unclean. Oh, arrête! Grant me guidance. Mais les ailes! Hear my words, Vinisk. Oula. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The heretic prince would shatter us in an instant. Oui, non, mais ça va, il est enfermé. Détendez-vous le fiac, là, merde. Shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Ce visage pour les cinématiques, par contre, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Micheline. J'aurais pu te laver un peu le visage de la merde. Oh, wow. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barter Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. Kneel before me. Make your promise. Your parasites resonate.
You feel Lazelle's ecstasy as she moves to kneel before her queen. Oh non, mais Lazelle. Mais c'est votre large pour entrer en contact avec l'esprit de Vlakith pour le biais de son lien psychique. Regardez la vérité en face, Lazelle Vlakith a menti à votre peuple, il est temps de vous renier votre reine. Oula, waouh. Bon, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a dans sa tête, vas-y, hein. Oula. Bah, rip. Your mind spins, your heart races. There is only endless void. Oh, le visage de Micheline comme ça, il est fabuleux. Queen's orbit. Out! Damned fool. The wretched cannot sway the divine. Oh, pardon, pardon. Oh là là. Tmar's love, Lakith. Your grace is my honor. Orpheus will die by my hand. Mm-hmm. And I will take my rightful place at your side. Mm-hmm. One promise, one drop in the astral sea. Do not fail me, for you would not survive the flood to follow. Ok. Bah yes, hein. Oui, mais en fait, on a besoin de le garder en vie pour pas péter un plomb. T'as pas écouté ce qu'il a dit, Ariana? C'est fou, ça, elle écoute rien, les ailes. Bon, toi, tu fais à manger, du coup, c'est ça? I brought my own paring knife. Now... Ok. Ok, Carlac veut discuter, les ailes veut discuter... Oh, cette statue de Micheline. Soldier, my engine... It hurts. Ah, merde. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. But look... We've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. Si vous êtes prête, je le suis aussi. Quoi? Mais pas du tout! Vous ne croyez pas que nous parviendrons à vous soigner? Going, I can't spare the energy to think. Oh, I just want to enjoy whatever's left. Arrête, Bébou, tu dis n'importe quoi. Arrête. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be, with who I'm meant to be with. Oh. How many people can say that? Oh, mais elle est trop positive. C'est, elle est trop, elle est parfaite. Je. It is done. My faith is acknowledged. My destiny set in slate. Ok, les ailes, ok. Is the disciple who earns it. My queen, my eternal regent. Through your eternal wisdom, I will be legend. Oh là là. Alors, évitez de vendre la peau de l'ours en fils n'est pas encore mort. Hein. Vous avez prôné votre fidélité, je suis fier de vous, je tremble à l'idée de ce qui se passerait si vous trahissez sa confiance. Moi, je vais juste hocher la tête, je pense, genre, ouais, bon, les ailes, oui, vas-y. Dis-moi, dis-moi. Oui, les ailes. Oui, les ailes, oui. Orpheus will fall, and I will have my just reward. C'est super. Super, les ailes, c'est super. Now, I heed your sacred mission. Génial. We find a way to free Orpheus from his astral chains. Then we cleave him from brain to belly. Oh. Tmar Salar Vlakith. Ok, bro. Vlakith a promis de faire de vous une base Vlakith. Qu'est-ce que ça signifie? Vlakith's left hand and her right. Oh. Commandant de tous les dragons, élu de la reine. Ah oui, c'est quand même, ça rigole pas comme titre, quoi. Et Rejaja, bah, il y a la reine de Lézel qui a popé dans le camp et qui lui a dit qu'il faudrait qu'elle tue Orpheus. Donc le gars qui est dans le prison, qui est dans l'artefact, avec Ariana qui n'est pas Ariana, mais... Les résumés sont fabuleux, moi, je trouve. Si quelqu'un arrive maintenant, juste la phrase que j'ai dit avant, on comprend rien. On comprend plus rien. Aïe, 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 c'est terrible. Oh, OMG. My love veut me parler. My love veut me parler. Et c'est là-dessus, c'est sur cette statue nue de Micheline,
et sur la promesse d'un dialogue certain avec la femme de ma vie, que YouTube, nous allons nous arrêter là, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée si vous regardez ceci en soirée, journée si vous regardez ceci en journée. Merci beaucoup. Et évidemment, des bisous, bien sûr. Bisous.